J'avais commencé à naviguer, on va dire, dans la pêche. Et bah, plus j'ai navigué, plus le métier de la mer m'a plu. Donc j'ai voulu aller dedans et j'aimais bien la mécanique. Du coup, bah, je me suis lancé en mécano. Moi, c'est parce qu'il y a quelqu'un de ma famille qui naviguait aussi. Et puis, bah, comme j'étais en train de chercher quelque chose à de une orientation, quoi. J'ai trouvé ça, j'étais aux portes ouvertes ici, et puis ça m'a plu, quoi. Alors, qu'est-ce qui vous plaît ici? On touche à tout, quoi. Enfin, on est polyvalent. Moi aussi, le fait qu'on n'est pas obligé de rester toute une année à l'école et qu'on puisse aller en stage. Par exemple, là, on a eu l'année dernière, on a eu un stage de 10 semaines. J'ai fait un stage au commerce entre Montoire et les Antilles, sur un porte-conteneur, en 3 semaines. Ça fait une semaine de traversée, une semaine entre la Guadeloupe et la Martinique, et une semaine pour revenir. C'est assez intéressant parce que bon, nous, ici, on voit quasiment que du moteur 4 temps. Et là, on est arrivé devant des moteurs cathédrales 2 temps. C'est très intéressant. Après mon bac, j'ai trouvé un patron qui me prend comme mécano au filet à Audierne. Et j'ai plus qu'à signer mon contrat en sortant de l'école.